Eh bien, yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu particulière, je vous l'accorde, c'est une vidéo pour vous faire voir comment on peut rejoindre une corporation. Donc là, entre autres, ça sera la corporation de la DG Team, pour vous montrer un peu comment on fait pour rejoindre et comment on fait pour faire une candidature. Donc, tout simplement, une règle importante, en tout cas je vous parle pour la corpo de la DG Team. Pour rejoindre la corpo de la DG Team, faut pas avoir d'autres corpos. Donc si vous voulez nous rejoindre, faut vous supprimer de d'autres corpos. Des autres corpos. Si vous n'en avez pas, tant mieux. Si vous en avez, bah, malheureusement, si vous voulez nous rejoindre et faire partie de notre famille, il va falloir supprimer ou quitter vos corpos actuels. Ça, c'est un fait. Pour ceux qui n'ont pas de corpo et qui souhaitent nous rejoindre, donc c'est très simple. Il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas comment faire, donc cette vidéo est là pour vous montrer comment on fait pour rejoindre notre corpo. Donc tout simplement, dans toutes les vidéos de Star Citizen que vous trouverez sur ma chaîne YouTube, donc là par exemple, on contrôle jeune Tom avec la corporation. Donc là, vous avez deux liens très importants. Donc c'est le site, donc là, le site RSI, et là, le Discord de la corporation. Donc là, moi, je l'ai déjà ouvert, mais je vais le faire avec vous, comme ça, vous verrez. Boum. Vous cliquez dessus, ça vous emmène sur le site RSI. Donc là, c'est le lien que je vous ai donné. En fait, il vous le ramène directement sur la recherche DG Team. Donc là, vous voyez très bien que organisation, langue française, hardcore, recrutement, oui, roleplay, no, en tout cas pour une partie. Et on est actuellement 52. Donc là, vous cliquez dessus. Donc là, je l'ai fermé. Vous montrera. Donc là, on arrive, après moi je suis en tant qu'administrateur, mais on arrive sur la page. Donc une fois là, normalement ici, vous aurez rejoint nos... Attendez. Ce qu'on va faire, on va aller directement sur une autre corpo. Voilà. Donc là, vous faites rejoindre US No. Donc, US No. Donc là, ça veut dire en gros... C'est pour rejoindre la corporation. Donc là, vous cliquez, vous faites la demande. Donc normalement, vous allez, ça va vous demander un petit texte. Voilà, un petit texte. Donc là, nous, ce qu'on demande, c'est rien d'autre. On écrit son pseudo in-game. Donc moi, c'est DG Team. Hop. NLJ86. Donc tac. Hop. Membership, vous mettez visible, hein, bien entendu. C'est important. Et là, c'est bid. Boum. Moi, je vais pas le faire parce que cette corpo m'intéresse pas. Même d'ailleurs, aucune autre corpo m'intéresse. Il n'y a que la vraie qui m'intéresse. Donc, une fois ça fait, vous pouvez aller sur le deuxième lien. Donc, c'est très rapide, très, très facile. Hein. Il y a pas vraiment de secret. Donc là, ça vous ouvre le lien Discord. Donc là, continuez vers Discord. Donc, hop, on va éviter d'aller sur la page et on va directement passer sur Discord ici. Donc, une fois que vous arrivez ici avec tous les nouveaux membres, donc c'est nouveau garde, bam, vous arrivez ici. Donc là, vous arrivez en tant que civil. Donc, par exemple, ce monsieur est civil. Donc, il y a eu une purge il n'y a pas très longtemps des civils, malheureusement. Donc, heureusement qu'il en reste encore un ou deux pour vous montrer comment faire. Donc, dès que vous voyez civil, c'est qu'on vous a mis votre grade, il y a eu un bonjour, les officiers, les admins et les modérateurs de la corpo vous ont mis votre grade. Donc ça passe. Donc là, une fois que vous avez fait, vous êtes civil, enfin une fois que vous avez eu votre grade civil, donc c'est un admin qui vous le donne encore une fois, mais dans le futur, vous l'aurez en cochant les règles du Discord. D'accord? Pour l'instant, c'est pas automatisé. Ça va finir par l'être dans très peu de temps. Donc vous aurez à cliquer le règlement, ça vous mettra le grade civil, et du coup vous aurez accès à certains channels, pas tous les channels, ce qui est forcément parce que c'est quand même très 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 grand, hein. On peut voir ça descend jusqu'en bas, donc vous aurez accès à certains channels. Donc en parallèle, d'accord, vous avez fait votre demande sur le site RSI, hein, vous avez été là et vous avez fait rejoindre US Now. D'accord? Et vous avez mis votre pseudo et tout ce qui va avec. Une fois ça fait, ça veut dire que là, vous êtes bon. Donc là, vous allez juste à aller dans Attendre de Move ici. C'est le... En fait, c'est au-dessus des générales, tout ça. C'est en gros, c'est là pour le blabla. En gros, c'est-à-dire que vous avez tout fait. Vous êtes prêt à être recruté. Donc vous allez dans Attendre de Move.
et un membre du staff, donc que ce soit moi, Jesus ou Antares, Fafi ou bien d'autres encore, s'occuperont de vous. Donc il y aura un petit entretien vocal où on vous demandera c'est quoi votre entre guillemets votre spécialité dans Star Citizen ou ce que vous aimez faire et depuis combien de temps vous jouez, combien de vaisseaux vous avez. Il n'y a pas de réponse qu'il faut s'ouvrir, hein. C'est juste pour s'informer sur vous, qu'est-ce qu'on pourra vous apporter, nous, ici au sein de la Corpo, ou pas. Donc, une fois ça fait, vous passez votre entretien, et normalement, vous aurez le grade après, par exemple, la DG Team. Voilà. Donc, une fois que vous avez ce grade DG Team, après, vous aurez accès à tous les channels et tout ce qui va avec. Donc, à savoir, une chose très importante, c'est si vous voulez nous rejoindre, je dis pas qu'il faut être majeur, mais en tout cas, être mature, d'accord? On n'acceptera pas le manque de maturité. On est nous-mêmes pas très matures, on va dire, on s'amuse, mais il faut de la maturité pour savoir où s'arrêter, savoir où continuer, savoir où aller. Quand, en règle générale, on n'accepte pas en dessous de 18 ans. Ce qui est normal, c'est un jeu qui prend pas mal de temps, mais aussi, on peut parfois faire des events jusqu'à 2-3 heures du matin, ça pourrait arriver, et ça nous arrivera. Par exemple, Jonathan, ça a duré jusqu'à 1h30 du matin. Event Jonathan, juste ici, ici, il me semble, je crois qu'on voit à la fin de la vidéo combien de temps. Et juste, voilà, vous voyez, de toute façon, en plus, la maturité permet aussi de pouvoir être 10-15 dans un channel. Là, par exemple, on était 3 et 3-6... 3, 9, 10, 11, on est 11, donc ça nous permet aussi de pouvoir se parler, de pouvoir communiquer, donc c'est l'importance. Donc voilà, maintenant vous savez comment rejoindre une corporation, entre autres la nôtre, on vous accueillera avec plaisir. N'oubliez pas qu'on prend les vétérans et les nouveaux joueurs, hein, même les joueurs qui veulent jouer tout seul, qui jouent tout seul et qui sont chiants, c'est barbant. N'hésitez pas à nous rejoindre, nous on fait certes du tri, on prend pas tout le monde entre guillemets sur le site comme d'autres corporations peuvent le faire, mais on a envie d'avoir une corporation structurée, donc ça veut dire même si on progresse petit à petit, on a que 52 membres, enfin que c'est déjà bien en 2 mois, mais on veut quand même qu'il y ait une certaine cohésion d'équipe ou avec les membres, ou même qu'on puisse encore discuter correctement ou même autre chose. Merde, ça c'est Spectrum, c'est pas ça que je voulais aller voir. Tac. Mais voilà, on n'accepte pas tout le monde comme. C'est pour ça qu'on demande toujours un entretien vocal, même si c'est pas un entretien vocal pour vous déstabiliser, pour vous poser 50 000 questions quoi. C'est juste pour pouvoir déjà parler avec la personne et avoir un premier contact avec cette personne là même. Donc voilà. Donc là par exemple, on peut voir qu'on est 52, on a 60 jours. Donc un peu moins de 2 mois je crois, hein. à peu près 2 mois quasiment. Bref, on est 32 720e au classement de RSI, donc je sais pas à quoi consiste ce rank. Bon, en tout cas voilà, on est 30 000e. Et après, de toute façon ça, après vous verrez si vous nous rejoignez ou pas. Donc en tout cas les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu, surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, c'est gratuit, et moi ça m'aide énormément, ça me soutient, ça me donne envie d'aller plus loin, que ce soit avec la chaîne YouTube ou avec la Corpo, on vise les grandes ambitions, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like, un petit commentaire pour le référencement, et puis j'espère vous retrouver dans la Corpo et dans une prochaine vidéo. Justement.